Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Vologne ». L'affaire a quelque chose de... C'est fascinante, quoi. Je me souviens de la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse. T'es mignon. Il y a tout ce qu'il faut pour que le fait d'hiver, il intéresse toute la France. La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau. C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie. Oui, ce corbeau, il a tué. D'abord à travers des coups de téléphone et ensuite à travers des lettres anonymes. Qui annoncent le crime avant que le crime soit commis. Déjà, ça en fout tout le monde. Quatre ou cinq personnes parmi les proches de la famille Villemain restent fortement suspectées. On voit bien que les photographes ont du mal à résister au gros plan. On appelle ça un racket. En termes de faits divers, on appelle ça un racket. Ce que j'attends, c'est que justice soit faite, c'est tout. Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons deux témoins qui nous donnent le même portrait robot. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Les gens criaient à mort. Alors j'ai dit à Jean-Michel, ça ressemble beaucoup à un crime de femme. Eh bien on doit trouver, ça ne doit pas rester une énigme. Ça tombe, je ne serai pas ça comme ça. Parce que si la justice n'est pas à régler cette affaire, moi j'en réglerai.